j'aime bien écouter jazz. Je pense que je fais guitare d'ailleurs. Donc on va faire out ou un comment faire en français. Le truc cool avec les foot jams, c'est qu'il y en a. Ouais, je sais pas combien il y en a. Bon, après en face, il y a des Canadiens, il y a des foot jams plus funky, qui est cactap, foot jam. Bref, on s'en fout de tout ça. Foot jam basique. Alors en français dans le texte, ça veut dire futur, le pied en confiture, c'est pas pour rien. Alors moi je vais vous montrer juste un truc que j'ai fabriqué, déjà eu. J'ai un embouti long au niveau de la fourche, histoire que mon doigt de pied aille pas dedans. Dans mes godasses, je sais pas si vous voyez bien, c'est un truc, j'ai découpé une godasse, une ancienne chaussure, parce que de protection de doigts de pied. Les premières années où j'ai ridé, j'avais pas de rampe, donc j'ai appris par terre. Sans sauter, ça donne du temps. Une fois qu'on sait faire ça, on doit pouvoir le faire comme ça. Il y a que le coping tout le temps. En vrai, ça fallait. Mais en gros, il faut faire. Une fois qu'on sait faire ça, normalement, on doit pouvoir retomber dans une courbe. Après, il faut savoir tomber dans une courbe, savoir faire du vélo, il faut avoir un vélo, c'est avoir un coup de couille. Je le biperai, ça fait super bien. Étape 2. Oh putain, je suis vieux. L'étape 2. Maintenant, il faut savoir monter sur le... faut savoir sauter en montant sur une plateforme. Et après, il faut savoir sauter en lâchant le pied. Je montre. Monter de plateforme. Ça, c'est basique. Et après, monter plateforme en lâchant. Ça, c'est la base. Après, moi, étant donné que mon pied est à l'arrière, je vais peut-être lever un peu la caméra. Étant donné que mon pied est à l'arrière, parce que je suis un gros goofy dégueulasse, il rentre sous le cadre et il va comme ça. En gros, c'est le bout du pied là. Il va comme ça et bien tendre la jambe pour appuyer sur le pneu et que ça bouge sans. Étape numéro... Oh puis on s'en fout des étapes. Maintenant, se caler avec le pied sur le pneu en mode n'importe quoi. C'est-à-dire que l'important c'est de caler le pied. Après on peut faire des milliers de rebonds. Perso, j'aime pas ça, moi, mais bon. Allez. Maintenant, moi, personnellement, j'aime bien me caler avec la roue arrière au-dessus du vide. C'est-à-dire que mon vélo est comme ça. Comme je vous ai montré avec le manche à balai courbe en bas tout à l'heure. Et en gros, je cale et je regarde où je vais. C'est-à-dire que je tourne la tête vers la courbe. Et pendant que je tourne la tête vers la courbe, je saute et j'envoie mon guidon vers la courbe. Je vais essayer de le faire au ralenti. Peut-être même que ce sera le monteur vidéo qui fera au ralenti. Mais je vais vous le faire au ralenti. Avec le bruit du ralenti. Ce qui est quand même fou. Donc, comme vous avez vu, j'ai tourné le guidon vers la courbe. Et là, je prends un accent de clou parce que je suis dans un hangar à côté de champs et de tout bordel. Donc, après, mais il n'y a pas d'après en fait, il faut essayer. C'est tout.
peux mettre un tricks avant, un tricks après. C'est selon ce que tu... Mon vélo fait un sale bruit. Tu peux mettre un tricks avant, un tricks après. C'est selon ce que tu veux. Moi je peux plus faire de crank flip parce que c'est trop fashion et que j'ai bloqué mon pédalier. Mais tu peux faire crank flip to foot jump, turn de to foot jump, bar spin to foot jump, one end to foot jump. Tu t'en bats la race en fait, c'est toi qui fais ce que tu veux. C'est ça le freestyle mon ami. En gros, on peut faire plein de trucs et c'est ça qui est bien dans le vélo.